Gims et Dadju taclés sévèrement par les Ivoiriens à cause de l'absence de Gims aux obsèques d'Ahmed de Bakayoko. Coucou les amis, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de la réaction des Ivoiriens après un post de Gims, mais maintenant à l'heure actuelle, ils sont même sur Dadju parce que Dadju aussi a posté un truc qui a également été interprété de travers. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes très bien installés, que vous avez vos verres de jus. Let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et de roi, à ta bonne et à ma loi, colon, au témananga, et comme ça, yo. Oh, Yahweh, comme maman. J'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'on va parler dans ce contenu. Comme nous le savons tous, Gims était absent aux obsèques de DJ Arafat parce que son bateau avait pris feu, si je ne m'abuse. Mais cette fois-ci, pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko, comme tout décès, c'est pas seulement tombé par surprise, mais avec son emploi de temps, ça n'a pas matché. Du coup, il s'est excusé, il n'a pas pu venir. Parce que Gims, je rappelle, et Dadju étaient dans la liste des artistes invités par le gouvernement ivoirien pour venir rendre un dernier hommage à Ahmed Bakayoko. Mais également, Gims fait partie des derniers artistes avec qui Ahmed Bakayoko s'est affiché. Parce que d'ailleurs, il a eu un très grand concert en décembre dernier et ils étaient là avec Ahmed Bakayoko, Fally Ipupa et tout ça. Donc, en RDC, il y avait Gims qui devait partir, Dadju, Fally Ipupa et Koffi Olomide. On a eu que Koffi Olomide et son fils Fally Ipupa, les deux frères, n'étaient pas là. Ok? Alors, récemment, sur les réseaux sociaux, Gims a fait un post simple. Il a dit ceci dans son post. « Le bonheur, c'est se foutre royalement de ce que les autres pensent de vous. » Rien que ça. Et les Ivoiriens sont tombés sur lui, l'ont lapidé à tout va. « Toi, t'étais pas là aux obsèques de Arafat et tout. Tu n'es pas encore là aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Tu es ingrat, etc. etc. D'ailleurs, nous aussi, on va se foutre royalement de tes conseils ici en Côte d'Ivoire. Oublie le public ivoirien. Désormais, déplace-toi avec ton propre public. » Ils ont dit des tas de choses. Heureusement que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui partagent le même point de vue. Hein. En tout cas, encore heureux. Ok? Ils l'ont taclé dans tous les sens. Rien que parce qu'ils n'étaient pas aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Et selon eux, le poste de Gims est un poste visé. Alors, pour ceux qui ne suivent pas Gims, peut-être que c'était pour vous la première fois, Gims a l'habitude de poster des trucs avec des messages de réconfort, d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation, des messages moralisateurs. En tout cas, bref, Gims, il poste des trucs, il écrit, c'est pas la première fois. D'accord? Avant de lui lapider, allez d'abord sur ses publications Instagram, vous descendez, vous allez constater qu'il a écrit des choses à peu près similaires déjà des dizaines de fois, ok? Ce n'est pas la première fois qu'il poste ça. Et moi, je ne comprends pas le rapport entre le bonheur, c'est se foutre royalement de ce que les autres pensent de vous, et les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Parce que je pense que dans son texte, si on doit rester dans le contexte, il est en train de donner un conseil qui fait partie de nos vies au fait. Aujourd'hui, si on a la chirurgie esthétique, c'est parce que certaines personnes ont pris en compte les remarques des autres sur eux, sur leur physique, etc., etc. Ils ont décidé de changer les fesses, les seins, les yeux, tout, parce que les autres l'ont dit, t'es pas belle, t'es pas jolie, ton nez, tes yeux, tes fesses, et nanana. Ça crée un complexe en eux, ils ont changé ça. Ok? Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de cela. Ils font une fixation sur les regards des autres sur eux. Ils commencent à penser même qu'ils sont ce que les autres disent qu'ils sont. Alors, il faudrait apprendre aux gens que le bonheur, c'est de se foutre royalement de ce que les autres pensent de toi. Parce que tu ne peux pas changer pour faire plaisir au regard des autres. Tu dois changer pour toi par rapport à ce que tu aimes. Tu ne peux pas créer des complexes à cause de ce que les autres pensent de toi. Moi, je comprends son texte comme ça. C'est très réfléchi et c'est très profond. C'est un texte à relayer, surtout à la jeunesse. Beaucoup de personnes ont perdu confiance en eux à cause du regard des autres. Bon, maintenant, à quel moment on dit Ahmed Bakayoko, obsèque, je suis absent? Moi, j'ai pas compris. C'est vrai qu'en ce moment, les Ivoiriens, vous êtes très au taquet sur les artistes congolais. Il suffit qu'un artiste congolais fasse un truc, vous lui tombez dessus à tout va. Ok, vous êtes dans vos droits de réclamer quelque chose, au fait. C'est-à-dire, vous aurez souhaité que Gims puisse être présent aux obsèques. Il n'est pas venu, d'accord, on vous l'accorde. Qu'on se le dise,
Est-ce que Gims est le seul artiste qui ne s'est pas présenté à la fois aux obsèques d'Arafat et d'Ahmed Bakayoko? Vous êtes sûr que si on veut vérifier, tous les artistes ivoiriens étaient présents aux obsèques d'Arafat et aux obsèques d'Ahmed Bakayoko? Pensez-vous que parce qu'il n'était pas aux obsèques d'Ahmed Bakayoko, que ça fait de lui quelqu'un qui ne les aimait pas, qui n'avait pas de compassion pour la situation, qui n'a pas fait les deuils, qui n'a pas rendu hommage d'une autre manière? Pour vous, la meilleure façon de rendre hommage à Ahmed Bakayoko, c'était d'être présent en Côte d'Ivoire? D'accord, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que Gims, ses absences dans les obsèques, c'est très remarquable, on le constate. Mais les obsèques, comme tout autre décès, est tombé par surprise. Il appartient à une maison de production, à un label. S'il avait des programmes déjà arrêtés qui ne savaient pas bouger, il fallait absolument que Gims soit là, c'est-à-dire la présence de Gims, c'était genre obligatoire, il devait absolument être là. Au fait, c'était quoi le rôle de Gims exactement aux obsèques? C'est lui qui devait soulever le cercueil peut-être? Là, j'y vais fort, mais parce que vos propos ne sont pas tendres non plus. Quoi? Ah, nous, on s'en va se foutre royalement de tes concerts en Côte d'Ivoire? C'est arrivé là-bas? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Même dans nos propres familles, quand quelqu'un décède, on n'est pas toujours dans tous les obsèques. Je suis désolée. Vous n'allez pas lui en vouloir parce qu'il n'était pas disponible. C'est pas comme s'il a gaspillé l'argent du gouvernement ivoirien. Est-ce qu'il a payé le billet? Donc, c'est-à-dire, on a payé son billet, son hôtel, les véhicules dans lesquels il va traîner en Côte d'Ivoire et puis il n'est pas venu. S'il n'est pas venu, on n'a rien dépensé, il s'est excusé déjà et que tout est resté en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes en train de l'en vouloir? Moi, je n'ai pas vu Edoxi Yao aux obsèques d'Ahmed Bakayoko, je suis désolée. Il y a beaucoup de footballeurs que je n'ai pas vus, il y a beaucoup de stars que je n'ai pas vus. On n'a pas contrôlé tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de personnes, on ne les a pas vues aux obsèques. Ok? Kofi Olomide se prend en photo et tout ça, c'est un problème. Les artistes, oh, vous êtes venus vous pavaner, nanana, nanana. Les gens ont publié, c'est comme s'ils n'étaient pas en train de faire le deuil. Au fait, pour vous, les obsèques de Ahmed Bakayoko devaient se passer comment? Il y avait un menu pour l'attitude qu'il fallait avoir et les choses à remplir pour faire deuil d'Ahmed Bakayoko? Vous pensez que vous avez aimé Ahmed Bakayoko plus que toutes ces personnes qui sont venues l'assister et ceux qui ne sont pas venus? Vous pensez que vous avez plus de compassion pour la disparition d'Ahmed Bakayoko que ces personnes qui ne se sont pas présentées? Si Gims a prévu tout autre chose pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que vous allez dire? Le tacler comme ça gratuitement sur les réseaux sociaux juste parce qu'il n'est pas venu aux obsèques? Non, à un moment donné, vous ne voyez pas que vous abusez là? Votre fixation sur les artistes congolais devient vraiment... On se pose des questions, qu'on se dise une vérité. Est-ce que c'est seulement pour les obsèques ou il y a autre chose cachée derrière? Dadju qui vient, qui poste, aime-toi toi-même avant que les autres ne puissent t'aimer. Vous venez vous tomber dessus. Est-ce que vous ne savez pas qu'il faudrait s'aimer soi-même avant que les autres puissent t'aimer? C'est quoi le rapport avec les obsèques? C'est-à-dire que comme ils ne sont pas venus aux obsèques, ils n'ont plus le droit de se prononcer sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent plus tousser, ils ne peuvent plus boire de l'eau. Ils ont l'habitude de poster des trucs sur leurs réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils visent les Ivoiriens? Vous avez un problème en particulier avec eux? On ne sait pas se disputer ou on ne peut pas poser des questions à un défunt, à quelqu'un qui est décédé. Mais du vivant jusqu'au dernier moment de Ahmed Bakayoko, il vous a dit qu'il avait des problèmes avec les deux frères? À un moment donné, hein, imposez aussi les limites à vos réactions. Ça devient excessif, on commence à se poser des questions. C'est quoi? Tous les Ivoiriens n'étaient pas aux obsèques d'Ambak. Toutes les stars ivoiriennes n'étaient pas aux obsèques d'Ambak. Vous faites l'absence de ces deux frères comme si c'était vraiment je ne sais pas. Y a-t-il un autre problème? Vous avez appris quoi comme information que nous les Congolais on ne sait pas sur l'absence de ces deux frères pour les tacler aussi sévèrement sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui nos artistes congolais commencent à se faire insulter à tort et à travers. Quelqu'un vient pas dans deuil, quelqu'un vient pas dans deuil. S'ils ont prévu d'aller saluer la dame après, est-ce que les obsèques ça dure une journée, ça dure une semaine? Quand quelqu'un meurt, c'est tout de suite qu'on arrête de le pleurer, c'est-à-dire quand on t'enterre, c'est fini? Non, quand quelqu'un meurt, vous pouvez aller rendre visite à la famille du défunt, même après un mois, après deux mois, après trois mois. Fallait pour pas venir de la Côte d'Ivoire, il n'est pas allé saluer Tina Glamour, il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est épuisé, c'est expiré? La seule façon qu'il fallait rendre hommage, il fallait absolument que Gims puisse être là. D'accord, il n'était pas là, on aurait souhaité qu'il puisse être là. Mais il ne l'a pas fait. Ok, on vous l'accorde.
Mais de là à crier au boycott, c'est-à-dire 1, 2, 3, on doit boycotter les Congolais. 1, 2, 3, ils sont venus se pavaner. 1, 2, 3, hé, lui il a habillé, il s'est habillé en pyjama. Et tout ça, vous commencez à critiquer. Heureusement hein, que vous avez aussi critiqué vos artistes ivoiriens. Sinon, on n'aurait pas compris ça, quoi. Fallait passer habillé en pyjama, nanana, nanana. C'est un artiste, même si c'est deuil. Vous oubliez même que les personnes que vous êtes en train de critiquer par rapport à leur tenue, c'est des artistes. Les artistes s'habillent toujours bizarrement. Mais vous avez pris votre temps à critiquer tout ça, c'est quoi le problème? C'est quoi? Vous commencez à tacler les artistes congolais à tort et à travers. J'aimerais connaître le rôle que Gims avait à jouer. C'était lui l'organisateur? On lui avait demandé de gérer une partie de l'organisation des obsèques, qu'il ne l'a pas fait ou quoi? Je ne dis pas ça parce que c'est mon frère congolais ou c'est pas parce que c'est un artiste étranger. Ça n'a rien à voir. Il aurait dû être là, il n'est pas là. Oh, il n'était pas là, d'accord. Est-ce que tous les artistes ivoiriens sont venus accompagner le corps de Papa Wemba jusqu'ici en RDC? Et puis, est-ce que quand Papa Wemba est tombé chez vous là-bas, quand vous lui avez rendu hommage là-bas chez vous, tous les artistes ivoiriens étaient présents? Qu'on puisse revisualiser les images et qu'on demande des comptes? Parce que vous exigez des choses à nos artistes. Nous aussi, on peut se permettre de demander des choses à vos artistes. Est-ce que tous vos artistes, vous êtes sûrs, ils étaient présents? On n'a pas vu Mewé, on n'a pas vu... Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, que je n'ai pas vu. Hein, que je n'ai pas vu. Peut-être certains choisissent de faire dans la discrétion, tout ça. Qui vous a posé la question? Pourquoi pour Gims et Dadju, vous en faites une affaire d'État? Oh, Kowa, Dadju, tu devais faire asseoir ton frère pour lui parler et tout ça. Il ne peut pas poster n'importe... Il a posté, il a dit quoi? Pourquoi vous êtes les seules personnes à comprendre les choses de travers? Vous lisez maintenant dans les pensées de gens. C'est quoi les rapports se foutre royalement de ce que les gens pensent de vous? Dans la vie de tous les jours, ça arrive ou pas? Vous en faites toute une affaire d'État, vous en faites toute une histoire. Je comprends hein, que dans cette histoire, il y a même les détracteurs. Et il y a même les personnes qui sont en train de militer pour que ce climat de consommant ivoirien et tout ça, boycottant les étrangers là. Je pense qu'il y a eux derrière tout ça. La musique de l'Afrique commence à récupérer encore sa place. Ça continue de monter encore et de monter. Vous avez vu les Aya Nakamura, tous ceux qui évoluent en France, comment ils sont. Ok? Et on a la chance de voir que nos artistes d'origine africaine sont en train de très bien évoluer comme ça dans le milieu français. Ce n'est pas le moment de commencer à nous lapider entre nous Africains et de nous fermer les portes. Cette haine que vous êtes en train de vouloir créer, cette rancœur ou cette guerre-là, au point de dire que Gims ne va pas mettre pied en Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas en votre avantage. Parce que vous faites partie de l'Afrique. La musique africaine doit être consommée. On va commencer à offrir comme ça nos frères africains aux étrangers. Ils sont déjà là-bas. Quand on dit musique, chanter musique française, les Dadju et les Gims vont chanter ça. Pourtant, c'est des artistes qui représentent l'Afrique. C'est notre fierté, ok? Alors, il faudrait que l'Europe, maintenant, puisse bénéficier de nos artistes africains. Je le place d'abord comme un artiste qui fait la fierté de la musique africaine. Et puis, ici, en RDC, on n'a jamais fermé les portes pour les artistes ivoiriens. Venez jouer ici, vous êtes les bienvenus. On en a marre que vous puissiez commencer à lancer des messages de boycott, d'acharnement, harcèlement. Ça devient un cyberharcèlement vers les artistes congolais. Depuis que je suis en train de dire ça, je dis ça peu à peu comme ça. Certains Congolais me comprennent des travers, je ne sais pas si ça chie dans leur tête. Vous ne comprenez pas le climat qui se passe à l'heure actuelle. Heureusement, mais j'ai vu même Ariel Camille Makosso, le général, qui a pris part pour Gims. Il vous a posé la question de savoir c'est quoi le problème avec l'absence de Gims aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Même lui-même, il n'était pas allé à l'enterrement. Il a fait 30 minutes seulement et puis il est rentré chez lui. Au stade, il a fait 30 minutes et puis il est rentré. Pourquoi vous faites une histoire, une fixation sur Gims? J'ai vu d'autres youtubeurs aussi qui ont réagi, qui n'ont pas compris cette réaction. C'est quoi cet acharnement sur Gims? C'est pas normal. Il a fait quoi? Il n'est juste pas venu aux obsèques. Vous savez ce qu'il a fait à part ça? Fallait pour pas dire ne me payez pas avion, ne me payez pas billet. Je viens gratuit avec mon propre argent. Vous l'avez remercié pour dire ah, au moins l'argent du gouvernement est resté. Ça pourra servir à autre chose. Vous l'avez dit aussi, au moins merci. Vous venez vous acharner sur Gims. C'était quoi le rôle de Gims aux obsèques? Qu'on le sache. Qu'on le sache. Nous aussi, il y a des artistes influents ici chez nous qui décèdent. Hein. On a aussi perdu des grands artistes ici. Notre Madilou système est décédé. Qui était venu? On a les papas Taboula et le papa de Youssoufa qui étaient décédés ici. Combien d'artistes ivoiriens étaient là? Qu'on puisse commencer à poser des questions.
À un moment donné, s'il vous plaît, hein, cet acharnement que vous avez sur les artistes congolais, ça doit s'arrêter. Vous allez clasher Dadju. Il a fait quoi? C'est-à-dire parce qu'ils ne sont plus venus aux obsèques, ils n'ont plus le droit de vivre. Vous devez leur étouffer. Qu'on vérifie chez vous combien d'artistes ivoiriens sont venus, combien de footballeurs sont venus. Et je vous pose même la question que Général Camille Makosso vous a posée là. Quand vous traitez Gims d'ingrat, c'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi? Il y a de ces enfants qui sont nés dans une famille là. Son père l'a enseigné, lui a rempli d'amour, lui a tout donné, a payé son billet, la personne est partie en Europe. Son père décède. Son père qui l'a élevé, qui a tout fait pour lui, son père décède. Mais la personne ne sait pas prendre avion pour revenir au bled, pour pleurer son père. On en perd ton père, on t'envoie photo. Ça veut dire que tu es ingrat, parce que tu n'as pas pu prendre le billet, parce que ton boulot ne t'a pas permis. Combien des enfants qui sont au niveau de l'Europe ou à l'étranger n'ont pas pu aller pleurer leur père, leurs propres parents, leurs propres frères, leurs propres soeurs, leurs propres mères? Parce que peut-être la disponibilité n'a pas permis. Tu vis à l'étranger et tout ça, tu ne sais pas payer billet pour revenir rapidement. Tu n'as pas. Ça veut dire pour autant que tu es ingrat, tu n'as pas respecté la mémoire de ton père. Vous voulez que Gims puisse rendre quel type d'hommage? Il n'a pas publié que, quand Ahmed Bakayoko était décédé. Vous l'avez vu festoyer sur les réseaux sociaux, se foutre royalement de ses obsèques-là. Il vous a clashé. À un moment donné, oui, d'accord, on comprend. Vous aurez souhaité qu'il puisse être là. Il a un grand public en Côte d'Ivoire. Vous étiez présent pour son concert. Il a fait sold out. Ok, d'accord. Mais quand même, vous ne trouvez pas qu'il fallait mettre un peu d'eau dans vos vins? Nos musiciens viendront toujours. Ils seront toujours les bienvenus de la même manière que vous serez toujours les bienvenus chez nous. Mais entre nous en famille, on doit se dire les vérités. Là, vous êtes dans l'abus. Est-ce que le problème, c'est seulement son absence aux obsèques ou il y a autre chose? On commence à se poser des questions parce que c'est devenu un acharnement sur les musiciens congolais. Maintenant, allons sur les frères Dadju et Gims. Dadju, toi d'ailleurs, tu étais aux obsèques d'Arafat et tout ça. Toi d'ailleurs, tu peux être épargné. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut que toi, tu fasses asseoir ton frère comme si... Au fait, je ne sais pas le rôle que Gims devait jouer. Je veux savoir le rôle que Gims devait jouer aux obsèques. J'ai envie tellement de poser la question à quelqu'un. Que quelqu'un me repente. Maintenant, tonton Gims, toi aussi, on prend ta part parce que tu es notre frère, on te défend. Ok, d'accord. De toute façon, c'est des obsèques. Tu peux encore aller rendre hommage d'une autre manière et tout ça à la famille et tout et tout. En tout cas, tu peux récupérer la situation autrement plus tard. Peut-être même que tu as prévu ça. Ok? Quand une personne est partie, la famille de cette personne doit se sentir considérée toujours et tout le temps. Ce n'est pas genre mon mari, depuis il est parti, il était fuyant, tout le monde m'a abandonné. Ça va faire mal à cette pauvre femme, ça va faire mal à ses pauvres enfants. Maintenant, toi aussi, hein, ton absence dans les obsèques, ça devient remarquable. Hein? Ça devient remarquable. Oui, on sait que tu es débordé. Tu as calendrier planétaire. Toi, tu joues partout. On sait ça. Mais au moins, prends toujours 2 secondes pour venir t'incliner devant les trucs de tes frères qui te quittent. Parce que Ezali Kelemba, aujourd'hui c'est pour eux, demain ça sera pour toi. Il faut être présent pour les autres pour que les gens puissent être présents pour toi. Tu aurais souhaité que les personnes proches de toi puissent être présents le jour où tu ne seras plus là, non? Voilà. À un moment donné, dans un sens, même s'ils ont exagéré, ils ont eu une réaction excessive, mais toi aussi tu dois revoir ce côté-là. Tu dois commencer à être présent aux obsèques. Ça devient très, très, très remarquable. Ce n'est pas seulement pour les autres, même dans d'autres communautés. Tu ne sais pas venir dans tous les obsèques, mais organise-toi au moins dans ce sens-là. Parce que, au fait, leur problème, c'est que les deux personnalités influentes de leur communauté, avec qui tu étais proche, selon eux, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si eux, ils pensent que tu étais proche à quel degré avec Ahmed Bakayoko. Mais moi-même qui parle, je ne sais pas. Ils auraient voulu que tu puisses être là. Mais essaie de voir aussi ta part de responsabilité dans l'histoire. Mais moi, je sais que ce poste-là n'était pas du tout un poste visé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va viser les Ivoiriens qui ont perdu Ahmed Bakayoko. Je ne sais pas. Le pro. Vous avez... Je ne vois pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous interprétez les choses de cette manière-là. Tout simplement. En tout cas, lâchez prise. Si c'est les détracteurs, si c'est les gens qui veulent faire opération consommant ivoirien et boycottant les étrangers... D'accord, vous avez le droit de consommer les artistes de chez vous. Et vous avez aussi le devoir de faire à ce que ces artistes-là puissent être aussi très bien consommés à l'étranger. Si les artistes d'ailleurs sont très consommés chez vous, c'est par rapport à la façon dont ils se vendent.
Mais que cela ne puisse pas créer un climat de conflit et de problème. Vous commencez à prendre n'importe quelle situation, rallier ça à n'importe quelle situation pour que ça pète et ça devienne des conflits planétaires. On n'en veut pas, on ne veut pas se tirailler. On n'en veut pas tout simplement. Arafat décède, c'est aller déterrer son corps que vous êtes allé faire. Et Bakayoko décède, c'est sur les Congolais que vous allez leur tacler sévèrement. C'est comme si à la fin de chaque obsèque, il faudrait qu'il y ait un spectacle de ouf, quoi. Il faudrait seulement qu'on dise que, ouais, Ivoirien fait quelque chose. Ah ah! Respectez la mémoire de ce pauvre monsieur. Respectez la mémoire de ce pauvre monsieur. Vous pensez, vous connaissez vraiment Ahmed Bakayoko, du vivant de cet homme. Vous pensez qu'il aurait accepté ce que vous êtes en train de faire là? Comment est-ce qu'il se comportait avec les gens dans la société? Moi, l'image que j'ai d'Ahmed Bakayoko à travers les réseaux sociaux et vos commentaires quand vous avez appris sa disparition, c'était un homme, c'était un pacificateur, c'est quelqu'un qui n'aimait pas ce genre de spectacle. Il n'aimait pas ça. Il aimait tout le monde, il était bien avec tout le monde, il avait des bonnes relations avec tout le monde. Les gens ont des calendriers, les gens ont des programmes. Vous pensez vraiment qu'il va en vouloir à Gims, son travail lui empêcher de se déplacer? Est-ce qu'il faudrait que Gims puisse vous justifier avec des preuves concrètes du pourquoi il n'est pas venu aux obsèques d'Ahmed Bakayoko? Cet homme, Ahmed Bakayoko, ce très grand homme que vous connaissez par respect pour sa mémoire, pensez-vous qu'il aimerait voir ce genre de spectacle? Vous ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce que ses enfants et sa femme se sentent en ce moment s'ils apprennent ce genre? Ils se demandent, mais au fait, Gims était qui dans notre famille? Eux-mêmes, ils se posent la question de savoir, Gims était qui au fait dans notre famille? Pour que les gens en fassent une affaire d'État. S'il vous plaît. Lui-même, Bakayoko, cet homme, était quelqu'un de bon, de gentil, d'ouvert, d'après les témoignages que j'aurais appris. Il n'aimait pas ce genre de choses. Il aimait tout le monde. C'était un pacificateur. C'était quelqu'un de bien. Alors gardez ce côté bien de sa mémoire. Il vient d'être enterré. Sa mémoire ne doit pas commencer à être secouée par des histoires inutiles à cause de juste Gims qui n'était pas là. Je ne vois pas pourquoi. Si vous avez envie de vous acharner, je comprends, il y a eu beaucoup de choses autour de ses obsèques. Sa disparition fait très mal. Vous aurez voulu autre chose. Il y a ces choses qui se sont racontées à cause de sa disparition sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça a bouleversé. À un moment donné, vous avez envie d'exprimer votre coup de gueule, de vous exprimer, de faire ok, on vous comprend. Mais s'il vous plaît, par respect pour sa mémoire, calmez-vous. Laissez que son âme puisse reposer en paix, qu'il parte en paix. Ça ne sera pas bien qu'il voit que derrière lui, les gens se disputent pour rien. Parce que cette situation n'a ni tête ni queue. C'est mon coup de gueule. Il y en a marre, il y en a assez. Vous commencez à vous en prendre à nos artistes. Je le dis et je le répète. Ça devient flagrant. Et ce que je ne comprends pas, c'est la réaction des youtubeurs congolais. Ça aurait été Fally, je le cite et je me permets, je suis dans mes droits, que celui à qui ça va faire mal n'a qu'à s'avaler lui-même. Ça aurait été Fally, vous allez ouvrir vos sales bouches pour venir parler. C'est à cause de ça qu'on dit que j'ai un penchant. Quand c'est les autres, vous vous taisez. Ce n'est pas vous qui avez sorti les propos de Makosso de leur contexte. Regardez la réaction. Soit disant que Makosso avait dit que voilà, comment il s'appelle, des Bordeaux chantaient mieux que Gims et Fally. Ce n'est pas lui qui a pris part de Gims. Ce n'est pas lui qui est venu défendre Gims. Mais vous, vous vous êtes tu. Vous avez avalé votre langue parce que vous avez honte. Vous ne savez pas prendre parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait flipper. Nos artistes se font lapider depuis un moment. Venir rappeler à nos frères que nous sommes une famille qui doit faire bas la terre parce que ça commence à bien faire. Non, ça tape pas aux artistes ivoiriens. Ok? On a aussi eu des obsèques chez nous. Non, non. Il a fallu que ce même Makosso que vous avez accusé de je ne sais quoi puisse prendre parole. Vous-même incapable de défendre vos artistes. Ça aurait été les Fally et consorts. Vous aurez ouvert vos bouches là pour venir parler. Je vous vois venir, hein. Et il y a des règlements de compte que je dois faire tout à l'heure avec certains, je ne sais pas moi, chroniqueurs ou youtubeurs. Quand c'est moi qui parle, vous prenez votre temps, vous vous mettez sortir mes propos de leur contexte pour venir faire des accusations mensongères sur mes contenus. Prenez garde à vous, hein. J'arrive bientôt. Je vais vous faire un bon contenu, Mamae, que je finisse avec nos frères ivoiriens là. On finit à faire de Gims. Je reviens sur vous. J'ai tout vu et j'ai tout entendu.
Ça, c'est un foutage de gueule royale. On va vraiment en parler tout à l'heure. En tout cas, les Ivoiriens, je vous aime bien. Mais foutez la paix à nos frères congolais. Parce que si demain encore on se réveille, ce délire continue. Je vais faire un bon live. Les amis Ivoiriens, vous êtes abonnés à ma chaîne, non? Vous suivez. Il faut dire à vos cousins qu'on est famille, on s'aime bien. Mais je ne veux pas qu'on puisse avoir des problèmes. Il ne faut pas que nos relations s'effritent à cause d'un rien. On aimerait vraiment savoir s'il y a un problème. Dites-nous les choses clairement. On n'est pas des gamins, on va régler le problème. Et non commencer à prendre n'importe quelle situation pour venir traumatiser nos artistes en leur promettant même un boycott. Et puis, Gims, tu as un public ivoirien là-bas. C'est tes amis, c'est tes frères. Donc, j'essaie de voir comment est-ce que vous allez faire bas la terre. Je ne sais pas si les Ivoiriens, vous voulez qu'on puisse venir vous supplier, se mettre à genoux. Je ne sais pas, vous voulez qu'on puisse avoir quelle attitude au fait envers tout ce que vous êtes en train de faire à nos artistes. Vous, en fait, vous attendez à quelle réaction de nous? Bref, c'est un peu ça mon coup de gueule au fait par rapport à cette histoire. Vous dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement, les Congolais, dans l'espace commentaire. Pensez-vous qu'ils ont le droit de réagir comme ça? Parce que Gims n'est juste pas venu aux obsèques, au point de crier au boycott? Point d'interrogation. Je répète, merci à tous les Ivoiriens qui ont trouvé que cette réaction était inutilement excessive, que ce n'était pas important, que certains ont mal réagi et qu'ils ont réagi par sentiment que ça n'avait ni tête ni queue. Merci au général Camille Makosso, en tout cas encore une fois, merci. Les autres youtubeurs, je n'ai pas retenu vos noms, mais je dis respect. Franchement, un étranger se fait attaquer chez vous. Pour voir un de vos frères aussi qui est décédé, vous avez trouvé que c'était injuste, vous avez réagi. En tout cas, je vous dis énormément merci. Franchement, je suis vraiment touchée par cet acte-là. Parce que figurez-vous qu'on a des Congolais ici qui n'ont même pas pu ouvrir leur bouche pour prendre part pour Gims. Merci à vous. En tout cas, merci énormément. Je tenais à vous le dire personnellement. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Te louer Seigneur et te roi à ta pona ya baloyo colon au témananga et comme ça y est.